Le policier pense apercevoir un chat ou un chien allongé sur la route. En s'approchant, il comprend son erreur. Ce n'était ni un chat, ni un chien. En avançant un peu en direction des cris, Dave a vu une ombre au sol et cru dans un premier temps qu'il s'agissait d'un chat ou d'un petit chien. Mais il n'en était rien. Un appel à l'aide. Sans hésiter plus longtemps, roule jusqu'au petit corps au milieu de la route et découvre qu'il s'agit en réalité d'un raton laveur. Très jeune, le raton laveur était visiblement à la recherche de sa maman, mais Dave n'est pas parvenu à la retrouver malgré de longues recherches. Je ne pouvais pas l'abandonner, explique Dave qui a alors pris la décision de contacter une association spécialisée dans les sauvetages. C'est ainsi que le petit raton laveur s'est retrouvé chez Millie Shaw, de Saint. Francis Wildlife Rescue. Recouvert de parasites, le bébé a d'abord été entièrement lavé et soigné et il était clair que son sauvetage avait eu lieu pile à temps pour que ses jours ne soient pas en danger. Désormais, ce bébé raton laveur a une seconde chance dans la vie et il compte bien en profiter à fond. D'après Millie Shaw, c'est une véritable petite boule d'amour. Yeah.